partageons nos énergies positives avec les rendez-vous du balcon. Avec la majeure partie de la population chez elle, les villes sont plus désertes que jamais, provoquant une augmentation du tourisme animalier. Comme en Inde, où des centaines d'animaux se rapprochent des villes et des maisons pour jeter un œil. Ces singes saisissent l'occasion de profiter du Gange déserté. Qui pourrait résister à ce contexte unique? Toujours en Inde, ces éléphants profitent d'une saine promenade en soirée. Bonne nuit à vous aussi! Néanmoins, la dépopulation des rues n'est pas positive pour tout le monde. Au Salvador, les pigeons ne sont plus nourris par les piétons. À Toronto, les oies ne comprennent pas les signaux routiers et ne semblent pas savoir dans quel sens va la rue. Comment on rentre à la maison? Vous vous en souvenez? C'était par là? En Chine, cette autruche semble avoir son permis depuis peu et s'est aventurée sur l'autoroute. Mets ton clignotant! Et les rues de Madrid ont reçu une visite royale, explorant la ville et profitant au maximum du beau temps. C'est incroyable, non, je ne peux pas croire. Il y a des pavos reales pour la calle, tío.